L'opération Adopte une poule, c'est dans le cadre du plan de prévention des déchets. On fait 30 foyers par an, donc on donne voilà, 2 poules à chaque foyer par an et on... tous les ans on est plein. Donc ça fait 3 ans qu'on le lance et donc tous les ans on a 30 foyers par an qui adoptent 2 poules avec le poulailler. On a eu cette petite information dans Facebook qui disait que la communauté de communes pouvait donner contre bon soin 2 poules et un poulailler. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée. Ça fait maintenant 4 mois qu'on les a à la maison. On les avait toutes petites, elles avaient 8 semaines et puis maintenant elles ont bien grandi. C'est un vrai animal de compagnie. Alors il y en a une qui s'appelle Mia, une qui s'appelle Hermione et une qui s'appelle Narnia. On a voulu en avoir 3 parce qu'on est 4 dans la famille. Les filles en voulaient une pour elles, chacune. Et puis nous on s'est dit bah nous aussi on aimerait bien en avoir une, donc on en a pris une pour 2. Et puis on s'est dit aussi d'avoir 2-3 œufs par jour, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être suffisant pour une famille de 4. Il faut la nourrir régulièrement parce qu'elle mange beaucoup. Des fois il faut les laisser sortir un peu, puis le soir il faut les fermer pour pas qu'elles se fassent manger. Il n'y a pas de rituel, le matin on se lève, on leur ouvre, on ouvre la porte et... Elles font leur vie, on leur donne à manger quand on a des choses à donner à manger, on leur donne les graines le matin et l'eau bien sûr. La routine c'est nettoyer une fois par semaine le poulailler. Elles ont un distributeur de grains, donc elles se servent comme elles le souhaitent. Et puis nous on donne les déchets tous les jours en fonction de ce qu'on a. Généralement le soir je prends plus le temps de cuisiner, donc du coup j'ai plus de déchets. Et du coup le lendemain matin avant de partir, allez hop, je mets tout ça au compost et elle se régale pour la journée. Au niveau des poubelles, il y a quand même une diminution des poubelles. Les gens nous disent on sort moins de poubelles, les poubelles sentent moins aussi, parce que tout ce qui est déchets de viande, de poisson, vont aux poules. On abandonne tout, que ce soit les épluchures de légumes, s'il nous reste un peu de poulet, des choses comme ça, on leur donne. Tout ce qui est déchets alimentaires en fait, sauf le poisson qu'on ne donne pas. En règle générale, on est à 150 grammes par jour donnés aux poules. Par mois, je crois qu'on est à 4,5 kilos. Nos déchets, ça ne nous change pas beaucoup parce qu'on les mettait déjà dans le compost. Simplement, c'est réutilisé, les poules nettoient tout. Il y en a à la poubelle, du coup, si ce n'est les plastiques ou autres, tout passe par les poules. Thank you.